Le plus grand convoi de Ford Mustang au monde a lieu aujourd'hui, alors que des milliers d'amateurs partaient de Trois-Rivières pour se diriger vers Québec. Marie-Pierre, vous êtes sur place, donc on va parler d'un record. Effectivement, Véronique, les gens partaient vers 7 heures ce matin pour se rendre ici au centre Vidéotron. Il y a environ 2000 Ford Mustang qui ont participé à ce convoi et se sont rendus juste ici, jusqu'ici, oui, comme vous le voyez en ce moment. L'organisation m'expliquait qu'il y a des gens vraiment des quatre coins du Québec, même du Nouveau-Brunswick, des gens de l'Europe qui ont loué une Mustang pour participer spécialement à ce record du monde. L'événement se déroule à l'occasion des 60 ans de la toute première édition de la Ford Mustang. Et le rassemblement est prévu jusqu'en fin de journée. Il y a plusieurs activités à l'horaire, comme la bénédiction des voitures même. Alors, l'organisation qui m'a expliqué ce record du monde. Quand les Belges l'avaient battu, ont fait le record finalement de 1326 Mustangs sur un cortège de 42 km. Nous, on a battu ce record-là en 1964, l'année de création de la Mustang en plus, sur 132 km. Après-midi, il va y avoir la bénédiction, donc on bat un autre record, la plus grosse bénédiction de Mustang, donc avec le plus gros convoi, le plus gros rassemblement, la plus grosse bénédiction. Et après ça, les gens vont converger dans le centre de foire pour le salon Autosport. C'est quand même sympathique tout ça. Marie-Pierre, vous avez rencontré, je suppose, beaucoup de passionnés. Ah, c'est pas ça qui manque ici, hein, des passionnés de Ford Mustang. On en a rencontré certains qui se sont même levés très tôt hein, pour se rendre à ce point de rencontre à Trois-Rivières, parce que plusieurs qui venaient de partout, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il y a un peu de pluie, mais ce n'est pas ça qui empêche les passionnés d'être ici. On n'oubliera jamais ça. Là. Ça va rester dans la mémoire toute la vie. Et puis moi, ben, j'ai 60 ans, puis c'est le 60e. Il n'y a rien pour battre un événement de cette envergure-là au Québec, de se faire escorter par les polices, ses routes et ses autoroutes. Oui, c'est assez impressionnant. Là, tout ce qu'il y avait ici, là, toutes les Mustangs, là, tu vois pas ça rarement, tu vois ça bien rarement, tu vois pas ça souvent. Alors, le rassemblement qui se poursuit jusqu'à 17 h, Véronique, ensuite, les passionnés vont reprendre la route. Merci beaucoup. À bientôt, Marie-Pierre.